Je m'appelle Xavier Cosse, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur. Je vais vous faire un dessin où on verra le personnage principal, Winston Smith. George Orwell décrit un monde déshumanisé dans lequel Big Brother a scié son autorité sur le peuple et les sentiments sont même interdits en fait. À mettre en image, ça a été vraiment compliqué et c'était un défi qui était d'autant plus intéressant en fait que c'était pas gagné d'avance. Je me suis dit que pour donner plus de poids à l'ambiance que j'allais dessiner, j'allais représenter le moins possible les personnages. Même le personnage principal, en fait, très vite, je lui ai affublé des lunettes et je me suis rendu compte que sans lui dessiner les yeux, ça lui donnait encore plus de poids et plus de mystère. Et j'ai travaillé aussi mon dessin en noir et blanc à la base. J'ai rajouté un peu de couleur après. Mais c'était important pour moi de travailler en noir et blanc pour avoir des contrastes assez forts. Et je me suis beaucoup inspiré de photographies anciennes et même de cinéma des années 30. Je voulais avoir une esthétique qui soit à la fois passée et en même temps qu'on puisse raccrocher aussi à notre présent ou à une sorte de futur un peu étrange. Et je pense que c'est mauvais signe quand on a une vision trop précise d'un album qu'on va faire, parce que du coup, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise. Et je pars du principe que si on ne se surprend pas soi-même pendant qu'on réalise un bouquin, c'est impossible de pouvoir toucher les gens en fait, parce que un dessin n'est jamais aussi sensible que quand le dessinateur s'est surpris lui-même en fait. Un ordre d'idée, j'ai passé 3 ans de ma vie à dessiner cet album tous les jours, donc pendant 3 ans, il faut que je m'amuse, il faut que je me surprenne, sinon le voyage n'est pas très intéressant. Je me rends compte que l'architecture finalement c'est le personnage principal de l'album. Les personnages secondaires n'existent quasiment pas. Le personnage principal, la plupart du temps, il est en introspection. Il écrit dans son carnet, il est seul face à lui-même. Du coup, pour mettre ça en scène et tenir le lecteur en haleine, si on n'a pas des artifices comme les décors, qui permettent d'installer une ambiance et aussi de jouer sur des perspectives, des points de vue, le lecteur va vite s'ennuyer. Parce que faire de la bande dessinée, ce n'est pas simplement mettre du texte, c'est aussi essayer de tenir le lecteur en haleine. Je ne voulais pas qu'il y ait trop de couleurs, il ne faut pas que ça noie trop les informations. Suivant les endroits où le personnage se trouve, ou suivant la temporalité, vous ne trouverez pas les mêmes ambiances colorées, et comme ça, ça fait des points de repère pour le lecteur. Ce qui était assez incroyable pour moi, c'est la façon dont cet album a été perçu. Je me suis presque dit que c'était le livre de la dernière chance, en fait. Je me revois encore dire à mon éditeur que finalement la bande dessinée, j'y croyais plus, quoi. Les titres ont tellement peu de visibilité avec la surproduction qu'il y a que si on ne fait pas l'effort de proposer quelque chose de différent, je pense que le lecteur aura beau lire notre album, le lendemain il sera déjà passé à autre chose. Et c'est ce qui est génial dans ma collaboration avec les éditions Sarbacane. J'aime bien travailler avec cet éditeur parce qu'il m'a aidé à faire mon livre sans compromis et même en allant au-delà de ce que j'aurais fait seul. Ce qui est assez dingue, c'est qu'un livre commence à exister à partir du moment où l'auteur n'y pense plus. Il y a forcément des moments où on a envie de se laisser abattre, on se dit que c'est 230 pages, on n'en a fait que 10. Et au final, quand le livre sort après 3 ans de travail comme ça, a un succès public et critique et qu'en plus on rajoute le prix Fnac France Inter, j'ai même du mal à réaliser, quoi. Je vais essayer de garder les pieds sur terre, mais c'est pas facile pour moi. Et je trouve que c'est un prix d'autant plus fort que dans le jury, il n'y a pas simplement des journalistes ou des vendeurs de bandes dessinées, il y a aussi des lecteurs avant tout. Je trouve ça encore plus chouette d'avoir été sélectionné par tous ces gens-là. C'est vrai que d'habitude, j'avais tendance à me dire que les prix, ça servait à rien parce que j'en avais pas. Et là, finalement, je dois dire qu'il y a un prix qui trouve grâce à mes yeux, c'est celui-ci. J'espère qu'on verra que c'est de l'humour quand même.